Ah, vous avez vu ça, ils remettent des jalons. Là, cette dame, elle vient d'aller mettre de l'engrais. C'est du fumier, hein. Ça, c'est pas du fumier, ça, c'est de la paille dans les arbres. C'est pour protéger des animaux. Enfin, comme ça, c'est eux qui gèrent, l'humain qui décide quand il donne à la bête. C'est pas elle qui bouffe tout d'un jour, puis l'estomac qui gonfle. Et puis elle peut bien, quoi. Donc, ils recommandent. Donc, je vois, là, ils ont fait les récoltes, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos. Après, ils sont venus faire des mariages sur le terrain. Donc, du coup, il y a quand même des chenilles qui restaient. Mais il y a des champs qui sont nouveaux verts et j'entends ce matin couler l'eau, donc dévier le ruisseau que je connais bien parce que je remonte le ruisseau jusqu'à la cascade en course à pied. Et ça, c'était avant que je perde ces 3 kilos à cause des intestins. Donc là, je vais plus courir parce que j'ai perdu du poids et j'ai gagné. J'ai acheté des boîtes de prod pour les bodybuilders. C'est ce qui m'a retapé, hein. Double la dose tous les jours. Et comme je fais la moitié du poids normal, ça va, quoi. Donc là, regardez, ils ont remis ces nouveaux verres. J'entends l'eau couler. C'est reparti, quoi. Fin avril, ils rattaquent déjà. Hein. J'aurais toujours impressionné les agriculteurs. Quel rythme ils produisent, ils y allaient. Puis là, si vous regardez, on va chercher. Avec Biki, j'ai cherché des coqs et des poulets pour avoir tout malade avec les œufs de la grande ville qui ont une semaine et plus. Donc moi, je voulais les œufs frais, donc c'est là que je vais venir. Je voulais les mettre ici, là, derrière chez moi, puis on m'a dit, ouais, maintenant, tu les donnes, tu leur donnes les graines pour quelques mois, et puis ils s'en occupent, ils ont des œufs gratos, puis moi aussi, et puis tout le monde est content, quoi. Ben voilà, quoi, je vais aller voir de plus près ces canaux, hein, puis montrer l'irrigation, comment elle est faite. C'est très intéressant.